En 78, je suis venu en Europe pour disputer mon premier championnat du monde. C'était ma première compétition hors du Brésil. Du vrai pilotage, de la course à l'état pur. Il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique. Rien que la course. On ne savait pas qu'il ferait carrière dans le karting, mais là, ça se précise vraiment. Et pour tout dire, on est un peu inquiet, parce qu'on se doute bien qu'il finira par courir en Formule 1. Que Dieu le protège toujours. De tous les dangers, c'est celui que je crains le plus. Je le remercie d'être un si bon fils. Son exigence et son honnêteté sont exemplaires et il a très bien travaillé cette année. Pour moi, c'est plus important qu'un titre de champion. Peu de gens me connaissent vraiment. Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que d'être pilote de course. J'ai laissé derrière moi des milliers et des milliers de kilomètres. J'ai quitté ma famille et mes amis pour aller vivre en Europe. J'ai dû me battre très jeune. Ça n'a pas toujours été facile. Le grand moment est arrivé. Ayrton est prêt. Il va conduire sa première voiture de Formule 1. Dieu m'a fait ce cadeau que j'espérais depuis si longtemps. C'est lui qui m'aide à rester calme, relax, tranquille. Ayrton, c'est une belle ville, hein? De jolies rues étroites où il fait bon se promener, mais pas vraiment faite pour la course. C'est vrai, oui. Je suis arrivé à la dernière minute et c'est un peu impressionnant parce que c'est ma première fois à Monaco. J'ai fait quelques tours et je me suis adapté facilement à la piste. Je n'ai pas le droit à l'erreur. L'erreur ici, ça mène tout droit à l'accident. Mais ça va aller. Pour l'instant, ça va, je suis confiant. En tant que reporter de Formule 1, je voyageais beaucoup. Très vite, j'ai vu Ayrton se détacher du lot. À l'époque, il pilotait pour Tolman. Tolman n'était pas une écurie gagnante. La voiture n'était pas une voiture gagnante. On ne pouvait pas envisager une victoire. Ce qu'Ayrton a fait à Monaco, c'était du génie à l'état pur. Alain Prost a pris la première position après un magnifique départ. C'est Nigel Mansell qui prend la deuxième place. Les deux Ferrari, troisième et quatrième. Niki Lauda en cinquième position, sixième Rosberg, septième Manfred Winkelhock et huitième Ayrton Senna.
Senna vient de remonter de la 13e place à la 7e. Nigel Mansell sort de la piste. Ayrton Senna double Keke Rosberg et prend la 3e place. Il vient de dévorer Niki Lauda. Ayrton Senna vient de prendre la 2e position sur la partie la plus dangereuse du circuit. Ayrton Senna se révèle sous nos yeux et nous confirme son remarquable talent. Il est en train de rattraper Alain Prost. Il lui prend 3 secondes par tour. Et ça, c'est une performance tout à fait extraordinaire. Prost fait des grands signes aux officiels. Il veut arrêter la course. Et qui pourrait lui en vouloir? En fait, d'un point de vue purement réglementaire, il n'y a aucune raison d'arrêter la course. Un officiel brandit le drapeau rouge. Ils arrêtent la course et on déploie le drapeau à damier. C'est incroyable! Prost se range, Senna passe la ligne d'arrivée avant lui. Ayrton fait des grands signes. Il fête sa victoire comme s'il avait gagné la course. Avec quelques tours de plus, vous pouvez être sûr qu'Ayrton aurait pris la première place. J'avais de grandes chances de gagner. Mais à moins de franchir la ligne d'arrivée à la première place, comment le savoir? La Formule 1, c'est politique. Ça met en jeu beaucoup d'argent. Et quand on est encore petit, on est obligé de faire avec. C'est un résultat tragique pour Senna. Il ne sera pas champion du monde cette année, mais il le deviendra sans aucun doute s'il poursuit sa carrière. Ayrton Senna, la nouvelle star de la Formule 1. Pour la première fois sur un podium de Formule 1, après une performance fantastique. Et l'année prochaine, vous comptez rester chez Tolman? Quels sont vos projets? Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pris aucune décision et rien n'est clair. Il faut attendre encore un peu, et on verra. Mais ce que vous attendez, c'est qu'on vous donne les moyens de gagner. Bien sûr, quand on est dans la compétition, la course automobile, ou on gagne ou on oublie. Lotus, c'est l'écurie idéale pour Ayrton. Elle a vaincu de nombreux championnats et de nombreux grands prix. Ayrton est très bien entouré. Tout est mis en place pour mettre en valeur son talent et lui donner toutes les chances de gagner. Quand j'ai débuté dans la Formule 1, en 84, j'avais tellement de choses à apprendre et à concrétiser que je vivais chaque événement, chaque bon résultat comme un progrès, une motivation. Ensuite, j'ai rejoint une plus grande écurie, Lotus, et j'ai continué à grimper plus haut, toujours plus haut. Et c'est ce que je continue à faire. Comme ça, chaque fois que j'ai des problèmes, je pense à la prochaine course. Quand j'ai moins de chance, je me dis que la prochaine ou les 5 prochaines se passeront bien. 5 bonnes courses pour une mauvaise. La seule chose à faire, c'est essayer d'augmenter le nombre de victoires. Il a toujours su ce qu'il voulait, même quand il était tout petit. Il faisait tout pour que les choses se fassent. Par exemple, en classe, il était très attentif pour ne pas avoir à étudier à la maison. Comme ça, il avait plus de temps pour jouer avec son kart. Bien sûr, Senna venait d'un milieu privilégié. Sa famille était très aisée. Quand ses parents ont fini par accepter son rêve de devenir pilote, ils ont tout fait pour subventionner ses premiers efforts dans le karting. Mais ce serait une erreur de penser qu'il a dû acheter sa place en Formule 1.
Senna lui-même se rendait compte que s'il voulait avoir un impact sérieux et durable sur le monde de la Formule 1, il devait se battre avec ses propres armes, son talent. Ayrton gérait la pluie avec génie. Chaque fois que les conditions étaient mauvaises et que la piste devenait plus glissante, Ayrton trouvait la solution. Ayrton Senna gagne le Grand Prix du Portugal! À Estoril, il fait une course incroyable. Il prend un tour sur tous ses adversaires, sauf un. C'est merveilleux. C'est une sensation extraordinaire. Je suis vraiment très heureux parce que pour ma deuxième saison en Formule 1, j'ai pu réaliser mon premier rêve, gagner un Grand Prix. C'est une sensation unique. C'est comme une drogue. C'est quelque chose de tellement fort, tellement intense, qu'une fois qu'on l'a ressenti, on passe le reste de sa vie à le rechercher. Je suis Milly Okada de la télévision japonaise, Fuji TV. Je ne suis qu'une animatrice de télévision, pas une journaliste. Alors ne vous inquiétez pas. Ah oui, alors faisons une photo. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes japonaises qui sont fans de Monsieur Senna. Je suis tout près de lui et je suis très émue. Venez vite nous voir au Japon. Merci. Un petit bisou. Bye bye. Another kiss. Il n'y a qu'un mot pour décrire le style d'Ayrton, c'est rapide. Il poussait la voiture bien au-delà de ses capacités techniques. Il freinait au dernier moment, plongeait dans les virages, décrochait presque. Je ne sais pas comment il faisait, mais il arrivait à faire littéralement danser sa voiture, sans jamais lui faire quitter la piste. Si on observe la carrière de Senna à ses débuts, ce qui semble évident, c'est son tempo et sa détermination. Mais au fond, ce qui compte, c'est l'intelligence. Et je me suis dit, ce gars-là, il a ce qu'il faut. Au milieu des années 80, l'écurie à battre, c'est McLaren. Ron Dennis est le meilleur manager et Alain Prost le meilleur pilote. Prost, on l'appelait tous le professeur parce qu'il faisait méthodiquement tout ce qu'il fallait pour être devant au point. Si ça voulait dire être cinquième, il gardait sa cinquième place pour pouvoir accumuler les points, au lieu de se battre pour une deuxième, troisième ou première place à l'arrivée. Ce qui est sûr, c'est qu'il comprenait très bien les rouages de ce sport, et à ce jeu-là, il était imbattable. On vous appelle le professeur de la course automobile parce que vous calculez tout d'avance et que vous savez où vous allez, c'est vrai ? Je suis très réaliste. Quand je suis compétitif, je me sens compétitif, et quand je ne le suis pas, je le sais aussi. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas de femmes pilotes ? Je ne sais vraiment pas pourquoi les femmes sont absentes de la compétition automobile, surtout en Formule 1. Mais vous êtes une très belle femme et je connais quelqu'un chez McLaren qui vous aime beaucoup. Je peux vous arranger ça, si vous voulez. Alain, si quelqu'un peut vraiment m'apprendre à piloter une voiture de course, je serai prête à changer de métier. Il n'y a rien d'important que je ne puisse vous apprendre. C'est votre femme qui conduit Orto ? Alain, regarde ici, Alain, voilà. Nous sommes sûrs d'avoir les deux meilleurs pilotes au monde et aussi les plus professionnels. Si l'année prochaine nous ne figurons pas parmi les équipes gagnantes, ce ne sera certainement pas de la faute des pilotes. C'est une formidable opportunité pour moi d'un point de vue professionnel. Et d'un point de vue plus personnel, je suis ravi de faire équipe avec Alain.
La première année chez McLaren a été une étape décisive dans la vie d'Ayrton. Il était très tendu, comme s'il avait tout le poids du monde sur ses épaules. Il était conscient de la responsabilité qu'il avait de prouver qu'il était vraiment un bon pilote. Pour la première fois dans sa carrière, Ayrton a une voiture capable de gagner le championnat du monde. Et il ne veut pas laisser passer sa chance. C'est normal, il va donner son maximum. Et toi alors, tu vas faire quoi, toi ? Ah, c'est pas tout à fait pareil. Tu vas me laisser faire ? J'ai un peu plus de pression que... Enfin, c'est toi qui me mets la pression. On les voit sourire, mais en même temps, leur corps trahit autre chose. Parce qu'ils se rendent compte de la situation et de ce qui va sans doute se passer. Alan se sent bien ancré au sein de McLaren. Et voilà que ce jeune prétendant au titre vient menacer sa place au soleil. Ils sont tous deux très intelligents, excellents pilotes. Et très vite, il s'agit bien plus pour eux de combattre l'un contre l'autre que d'éclipser leurs concurrents. Ce jour-là, tout à coup, je me suis rendu compte que je ne pilotais plus de manière consciente. J'étais entré dans une autre dimension. Le circuit était devenu un tunnel dans lequel je m'engouffrais, encore et encore, toujours plus loin. Je me suis aperçu que j'allais au-delà de toute perception consciente. Ayrton prend la première place en un temps record. La course est dans ses mains et il ne lui reste plus que quelques tours. C'est alors qu'il reçoit un message radio qui dit « Tu as beaucoup trop d'avance, ralentis ». Ayrton Senna a percuté le mur. Senna est dans les rails. Il sort de la voiture. Ayrton Senna sort de sa voiture et sort de la course. Ayrton Senna perd sa première place au Grand Prix de Monaco. C'est absolument incroyable. Il ne voulait pas me battre, il voulait m'humilier. Il voulait montrer à la terre entière qu'il était le plus fort, le meilleur. Et c'était sa faiblesse. Sa réaction après l'accident, c'est de la colère contre lui-même. Il n'arrive pas du tout à la contrôler. Il part à pied jusqu'à son appartement et il ne refait surface que 2 ou 3 heures plus tard. Ce week-end-là, je suis arrivé tellement près de la perfection que je me suis laissé aller. J'ai laissé la porte ouverte à l'erreur, puis c'est là où j'ai compris des choses. Depuis, je suis revenu progressivement. J'ai vraiment perdu confiance à ce moment-là. Mais petit à petit, j'ai recommencé à me battre. Je suis devenu beaucoup plus fort après cet incident. Comme si je me rapprochais de Dieu. Et ça a été très important pour moi, en tant qu'homme. Monaco est un tournant dans cette saison 88. Ayrton fait un parcours incroyable en gagnant 6 courses sur 8 et se classe juste au-dessus de Prost pour le championnat. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va s'amuser. On va bien s'amuser maintenant. On va se battre ? Peut-être même qu'on va se battre en dehors du circuit. Moi, je suis sûr que le championnat va être de plus en plus excitant. C'est possible d'être à égalité au championnat ? Non. Merde. Il ne peut y avoir qu'un gagnant.
C'est la 15e course de la saison. Le soleil vient de se lever et le Brésil attend avec impatience qu'Ayrton Senna gagne son premier titre mondial en Formule 1. C'est un rêve qu'il poursuit depuis sa plus tendre enfance. Ayrton subit une grande pression. Il a la pole position et va devenir champion du monde s'il gagne cette course. La pression est énorme. Ils sont au départ, c'est parti, feu vert. Senna, calé. Senna reste sur la grille de départ. Prost a pris l'avantage. Ayrton Senna est loin derrière. Et voilà Ayrton Senna en 14e position. J'ai pensé, c'est la fin du championnat. La fin d'un tour. Senna est déjà à la 8e place. Il fait une remontée incroyable. Et puis, ce qu'il préférait est arrivé, la pluie. Senna vient de prendre la 4e place. Senna est là. Il arrive. Senna est tout prêt, il se bat pour la première place. Senna joue le tout pour le tout, il passe Prost. Senna en première position. J'ai commencé à remercier le Seigneur en faisant mon dernier tour. J'ai rendu grâce à Dieu. Je n'arrivais pas à croire que j'allais enfin gagner le championnat. Au milieu de toute cette anxiété, cette tension, j'ai senti sa présence. Je l'ai vu. C'était un moment magique dans ma vie. Une sensation très intense. C'est une chose qui reste à jamais gravée dans ma mémoire. Qui fait partie de moi. Ayrton Senna lève le point. C'est sa victoire. Ayrton Senna, le Brésilien, champion du monde 1988. Une victoire impressionnante, puisqu'il est revenu de la 16e place. Juste pour savoir, qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? Je me sens en paix. J'ai l'impression que tout le poids qui était sur mes épaules s'est envolé. Je ne sais pas ce que ça représente d'être champion du monde. C'est un homme incroyable, merveilleux. Il est très humble et il donne une très bonne image du Brésil au reste du monde. Il partage ses victoires avec nous. Moi, je l'admire. C'est un homme courageux, c'est tout ce que je sais de lui. Il fait notre fierté, une des rares fiertés qui nous reste. Un jour, je lui ai demandé quand il arrêterait de courir. « Maman, je m'arrêterai quand je serai champion du monde. » Mais je sais au fond de moi que ce n'est pas vrai. On le sait tous. Quand le championnat s'est terminé et qu'il a gagné le titre, on l'a vu se transformer. Ce n'était pas la même personne au début et à la fin de l'année. Il s'était enfin trouvé. Il était allé à la rencontre de lui-même. Et la conquête du titre avait enfin révélé ce qu'il était depuis le début. Pendant les fêtes de Noël, l'amitié règne. On se fait de nouveaux amis. Comme celui que je vais appeler maintenant. Ma rencontre de l'année 88. Ayrton Senna.
Il n'est pas mignon. J'ai quelques questions à te poser. Tout le monde est ému de ta présence, mais moi encore plus que les autres. Parce que c'est difficile de te parler maintenant que tu es mon ami. C'est pas facile, tu sais. Ayrton, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Tu veux quoi comme cadeau? Ce que je veux vraiment, je ne peux pas le dire ici. Pourquoi pas? Censuré. Mais ce que je veux surtout, c'est être heureux. Dis-le-moi dans l'oreille. Bonne année. Bonne année 90. Bonne année 91. Bonne année 92. Bonne année 93. La saison 1989 est beaucoup moins harmonieuse que celle de l'année précédente. Les deux pilotes font de la surenchère dans l'agressivité, surtout quand ils courent l'un contre l'autre. À ce moment-là, l'équipe s'est disloquée. Les ingénieurs ne partageaient plus les informations. Et les pilotes commençaient à regarder derrière eux pour voir qui favorisait qui. Et Ayrton, avec son amour de la vérité, était moins habile qu'Alain Prost pour mettre en œuvre un autre aspect de ce sport, le jeu des intérêts stratégiques. Senna Prost, Prost Senna, vous le savez, c'est toujours dans un ordre ou dans l'autre. Le torchon brûle tout simplement parce que le Français, Alain Prost, estime que son coéquipier manque de loyauté à son égard. Et visiblement, leur querelle pourrait avoir des suites sur cette saison de Formule 1. De course en course, ils mettent toujours plus de distance entre eux. Ayrton dit, ce Français est dur, il veut la guerre. Ils finissent par s'éloigner complètement l'un de l'autre. Ils ne se parlent même plus. Bien sûr, le fait que Jean-Marie Balestre, le président de la FIA, soit français, favorise beaucoup Alain. Ils sont très proches. D'abord la parole au président de la FISA, M. Balestre. S'il vous plaît, messieurs. Les pilotes du monde entier vous regardent à la télévision parce qu'ils pensent bêtement que vous donnez l'exemple. Ils se trompent, bien sûr, mais c'est ce qu'ils pensent. Alors je répète, ne mettez pas en danger la fin du championnat du monde. C'est clair? Maintenant, tout dépend de vous. Ils sont presque à égalité. Senna doit gagner le Grand Prix du Japon pour que la bataille des points dure jusqu'à la dernière course. Prost sait que si Senna ne termine pas la course, c'est lui qui sera le champion du monde de Formule 1. Prost part premier, Senna deuxième. Prost s'est propulsé à la première place, il a fait un meilleur départ.
passe ? Oh mon Dieu, c'est incroyable ! En cas d'accident, Prost est gagnant. C'est Prost qui va en profiter. Si on arrête la course, c'est Prost qui gagne le titre. Mais comme toujours, pour Ayrton Senna, seule la victoire compte. Nannini qui prend la première place. Senna toujours au stand. Senna reprend la course. Il est très loin de Nannini. C'est pratiquement impossible. C'est tout ou rien, à 5 tours de la fin. Une course suicide pour Senna, si jamais il tente quelque chose. Prost voit Ayrton reprendre la course et se rend directement au bureau des commissaires. Nannini premier, Senna deuxième. Senna passe en force et bloque Nannini. Senna le double. Tous les drapeaux brésiliens s'agitent. Tout le monde est debout. Ayrton Senna, le drapeau à damier. C'est la fête dans le cockpit. Ayrton frappe son casque de ses poings. Ayrton Senna, le Brésilien. Visiblement bouleversé, Ayrton Senna soulève sa visière pour essuyer ses larmes. C'est une victoire fantastique, une victoire comme on n'en a jamais vu. Jamais auparavant un podium n'avait été retardé de 20 minutes. Plus on attendait et plus il y avait de risques que la décision devienne politique. La décision rendue par le Collège des commissaires sportifs du Grand Prix du Japon, excluant la voiture numéro 1 et le pilote Ayrton Senna, des résultats de l'épreuve. Tout de suite après la course, le grand écran du circuit de Suzuka montre en boucle les images de l'accident et les tentatives de Senna pour rejoindre la piste. C'est en observant ces images que les commissaires ont conclu qu'en n'empruntant pas la chicane pour rejoindre la piste, Senna a enfreint l'article 56 du règlement de la FIA. Vous êtes champion du monde, Alain. Apparemment. Je n'en étais pas sûr à 100%. Je connais le règlement, mais on ne sait jamais comment il va être interprété. Et puis, pour être honnête, je suis content de partir. Parce que ça devient absolument impossible de travailler avec Ayrton. Et c'est une bonne fin de championnat. Et maintenant, je voudrais vous montrer des images qui parlent d'elles-mêmes. On nous dit qu'il est interdit d'utiliser les échappatoires pour rejoindre la course. Apparemment, donc, les échappatoires ne sont pas faites pour s'échapper, mais pour s'arrêter, faire demi-tour et ressortir. Ce qui est très important, c'est de se souvenir qu'il n'a jamais subi aucune exclusion ni pénalité et qu'il n'a jamais été disqualifié. Et pourtant, il est exclu du Grand Prix du Japon. Où est la cohérence? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Alain, vous avez dit que vous avez pris une trajectoire normale, mais d'après les vues aériennes, on dirait plutôt que vous avez pris le virage très tôt. C'était pas du tout une trajectoire normale.
J'ai gagné 39 courses et 3 championnats. Vous croyez vraiment que j'aurais fait exprès de faire une chose pareille? Vous savez, j'avais déjà amorcé le virage. Peut-être un petit peu tôt, si vous voulez, mais c'était mon virage. Vous avez entendu que ce tribunal, vous avez entendu comme moi, que ce tribunal a prononcé non seulement une suspension avec sursis, de licence, ce qui est un avertissement non seulement pour Ayrton Senna, mais pour tous les pilotes, mais a prononcé également une aggravation de la peine. Quand on est un grand pilote, quand on est parmi les meilleurs pilotes du monde, on n'avait plus le droit, on n'avait pas le droit non plus d'avoir un accrochage stupide. The way the whole affair has been treated. Dans cette affaire, on a considéré que j'avais l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. On m'a accusé de tout et on m'a pénalisé pour tout. J'ai été traité comme un criminel. C'est parfaitement inacceptable. Ça a été un grand choc pour Ayrton. L'attitude de Balestre était encore pire que celle de Prost. Il a failli abandonner la Formule 1. Je l'ai laissé tranquille un moment. Et puis calmement, je l'ai persuadé que lorsqu'on est fidèle à ses valeurs, lorsqu'on croit que ses valeurs sont justes, alors se défiler devant les forces obscures qu'on rencontre dans la vie n'est pas une option viable. Pour la saison 90, il revient apaisé. L'écurie est plus harmonieuse, Prost a quitté McLaren pour Ferrari, et Senna est très bien placé pour gagner le titre. Tous les pilotes veulent dépasser leurs limites, mais les limites sont différentes de celles de Prost. C'est ça la réalité. Et au lieu d'essayer d'améliorer ses propres compétences, il a trouvé plus commode de m'attaquer. Ayrton a un petit problème. Il se croit immortel. Parce qu'il croit en Dieu. Je trouve que c'est très dangereux pour les autres pilotes. Le fait que je crois en Dieu, que j'ai la foi, ne veut pas dire que je me crois immortel, que je me sens invulnérable, même si c'est ce qu'on raconte. J'ai autant peur que les autres de me faire du mal. Quand on pilote une voiture de Formule 1, le danger est constant. J'étais au stand. On a neutralisé les essais. J'ai entendu les gens dire qu'il y avait eu un accident. C'était Donnelly. C'était grave, très grave. C'était un désastre. Alors j'ai décidé d'aller sur place pour voir de mes propres yeux. Un million de choses me sont passées par la tête. Et puis j'ai compris que jamais je n'abandonnerai ma passion, même après avoir vu ce que je venais de voir. Alors j'ai dû prendre sur moi, m'éloigner, retourner à ma voiture pour recommencer encore et encore. Et même mieux qu'avant. Parce que c'était le seul moyen d'occulter l'impact que ça avait eu sur moi. Je n'étais tout simplement pas prêt à abandonner. Même si j'avais peur de continuer, je ne pouvais pas renoncer à mon but, mes objectifs, ma passion, mon rêve. Ma vie, c'est ça ma vie.
On m'a dit qu'il était hors de danger. Ce qui est incroyable quand on voit l'importance de l'accident. Ce qui lui est arrivé peut nous arriver à tous. Il y a certains facteurs qu'on peut calculer, mais il y a aussi ce qu'on ne peut pas prévoir. Et ce sont ces facteurs imprévisibles qui sont les plus dangereux. C'est ce qui lui est arrivé aujourd'hui. J'espère que dans l'avenir, on ne verra plus ce genre de choses. Plus jamais. Étonnamment, pour la troisième fois consécutive, l'issue du championnat se joue au Japon. Mais cette fois, si Prost ne finit pas la course, c'est Ayrton qui devient champion. Messieurs, le nombre de tours du feu vert au drapeau à damier sera de 53. Toute conduite ou manœuvre dangereuse fera l'objet d'une enquête et pourra donner lieu à une suspension de licence pour une ou plusieurs épreuves du championnat. Des questions ? Il y a eu un gros bordel l'année dernière avec Ayrton. On va pas recommencer. Si on veut que la sécurité soit assurée, il suffit que les commissaires interviennent lorsqu'on rate une chicane. Quand la voie est libre à la sortie de la chicane, ils nous laissent passer. Faire demi-tour pour rejoindre la piste au risque de percuter une autre voiture, c'est ça qui est dangereux. Tout le monde est d'accord. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. C'est une blague. Après tout ce qui s'est passé l'année dernière. Il vient de le prouver. Je n'ai rien dit. Tout à coup, on soulève le problème. Et évidemment, tout le monde est d'accord. J'ai très mal vécu ce qui s'est passé l'année dernière. Je suis désolé, mais il faut que je parte. La situation est tendue au paddock et sur la grille de départ. Avec le championnat du monde à portée de main, il y a de l'électricité dans l'air. Ayrton Senna a quitté le débriefing des pilotes. Il pense que la pole position doit être placée à gauche de la grille et non à droite. Normalement, quand l'intérieur est propre, on est mieux à l'intérieur. Mais là, comme il est sale, c'est l'extérieur qui est mieux. Comment on rit ? La trajectoire idéale est celle où les voitures roulent le plus souvent. C'est la ligne la plus rapide de la piste. Il est donc très important que la pole position soit sur cette trajectoire idéale. Si on est de l'autre côté, on roule sur une partie de la piste qui est rarement utilisée et qui a beaucoup moins d'adhérence. Sur un circuit propre, on démarre mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, la motricité est nulle. D'accord, on va vérifier. Mais le commissaire en chef serait-il d'accord ? Et la FIA ? Et Balestre ? C'est Ayrton Senna qui prendra la pole position demain au Grand Prix du Japon. Alain Prost partira en seconde position. Il a la pole position. Et tout à coup, il découvre qu'elle est mystérieusement transférée à l'intérieur. Le côté sale du circuit, il le vit comme une grande injustice. Cette décision a été suggérée par Balestre, je le sais, et tout le monde le sait. Je me suis fait baiser trop de fois par le système. Alors aujourd'hui, c'est fini. On va faire les choses à ma façon. Je me fous de ce qui peut arriver. C'est moi qui décide. Mais c'est Alain Prost qui prend la tête. Senna va lui faire l'intérieur. Ils se sont percutés. C'est l'accident. Senna est touché. Alain Prost et Ayrton Senna se sont à nouveau percutés et ils sont tous deux sortis de la piste. C'est incroyable. Si la course n'est pas interrompue, c'est la fin du championnat. On ne sait pas encore si le drapeau rouge est levé. Pas de signe du drapeau rouge, ce qui veut dire que la course continue. Le championnat est terminé. Ayrton Senna est le champion du monde 1990.
C'est une bien triste conclusion pour un championnat du monde. Dites-nous ce qui s'est passé au premier tour, Ayrton. Malheureusement, on s'est percuté au premier virage en se disputant la première place, et on s'est mis au tas. La pole position se trouvait du mauvais côté de la piste. Vous aviez demandé à la changer, non ? Absolument. On se bat, on se casse les couilles pour être en pole position, et ils vous placent du mauvais côté du circuit. Ça vous fait quoi d'être champion du monde ? Je ne me plains pas. Félicitations. Tout de suite après la course, l'attitude physique d'Ayrton, l'expression de son visage, montre clairement qu'il est en conflit avec lui-même. Il n'est visiblement pas fier. Il sait que sa conduite a déterminé l'issue du championnat et il n'arrive pas à s'en réjouir. Champion du monde des pilotes de Formule 1, Ayrton Senna. Il savait que je le talonnais. Il s'est déplacé vers l'intérieur et m'a fermé la porte au premier virage. Alors que j'étais à l'attaque, il a ouvert la porte. Et me connaissant comme il me connaît, il savait très bien que s'il laissait le moindre trou, j'allais essayer de passer. D'accord. Je vais te poser une autre question difficile. Quand je pense à tous les champions du monde et que je compte le nombre de fois où ils ont accroché d'autres pilotes, je constate que ces trois ou quatre dernières années, tu as percuté plus de voitures que tous ces champions au total. Je suis très étonné par tes propos, Stewart, avec toute l'expérience que tu as. Tu t'y connais vraiment en course automobile. Tu devrais donc savoir qu'un pilote prend toujours des risques. Être pilote, c'est se battre contre les autres. Si on ne profite pas des occasions qui se créent sur la piste, on n'est plus un pilote de course. Tu sais très bien que si on court, c'est pour gagner. La plus grande motivation pour nous tous, c'est la victoire. Ce n'est pas d'arriver troisième, quatrième, cinquième ou sixième. Mais ça a toujours existé, ça, non ? Tu dis n'importe quoi, Jackie. Ça n'a aucun rapport. J'ai gagné plus de courses que n'importe qui ces trois dernières années. De tous les pilotes de l'histoire, c'est moi qui ai pris le plus souvent la pole position. J'ai gagné deux titres de champion dans les trois dernières années et je n'arrive pas à croire. Je ne comprends pas comment tu peux essayer de retourner les choses de cette façon en m'accusant d'avoir eu plus d'accidents que les autres. Ce n'est pas vrai. Deux des plus grands champions de l'histoire de la Formule 1 dans le sable pour un final raté. Chacun accuse l'autre. Le plus meurtri, c'est bien sûr Prost. Réaction épidermique. L'envie de lui mettre mon poing dans la figure m'a traversé l'esprit et j'ai tellement été dégoûté, vraiment. J'ai même pas eu, l'envie parce que je crois qu'il me dégoûte profondément. L'opposition Prost-Senna, qui dure depuis quelques saisons, suscite un formidable regain d'intérêt pour la Formule 1. Le nombre de téléspectateurs augmente, tout le monde en profite. Les gens parlent, la polémique divise. C'est à la fois choquant et fascinant. Le sport automobile connaît un grand succès commercial. Bernie Ecclestone assure sa visibilité dans les médias. Mais pour fidéliser le public, il faut des stars et bien sûr le duel Prost-Senna est sur toutes les lèvres. La notoriété d'Ayrton dépasse largement le monde du sport grâce au succès de la Formule 1 à la télévision. Je suis inquiet pour tous ces gens. Je vais les éloigner. Mais ils sont très gentils. Ça me fait de la peine qu'on les repousse de cette manière. Au Brésil, la situation est très différente. Les gens souffrent du régime politique. La pauvreté est insupportable. Dans ces temps de crise, la popularité d'Ayrton dans son pays est extraordinaire. La situation au Brésil était très négative, très déprimante.
Quand Ayrton a commencé à gagner toutes ses courses, il n'a pas essayé de cacher ses origines brésiliennes, comme le faisaient les autres. Au contraire, il brandissait le drapeau national et il le faisait tous les dimanches. Ça donnait vraiment de l'espoir et de la force aux gens. C'est aussi pour ça qu'il l'admirait. Ayrton n'avait jamais remporté le Grand Prix du Brésil. Depuis ses débuts en Formule 1, son rêve le plus cher était de gagner dans son pays. Le Grand Prix du Brésil va commencer. Feu rouge, feu vert, quel départ! Allez Senna! Vas-y Senna! Ayrton s'échappe en tête. Dès cet instant, il sait qu'il peut facilement gagner la course. Et voilà Senna ! Il pleut ! Il pleut ! Et là, sa boîte de vitesse coince. Il lui reste plusieurs tours à faire, uniquement sur le sixième rapport. Impossible de courir une Formule 1 avec une voiture coincée sur la sixième vitesse. Il veut s'arrêter, il ne peut plus piloter. Mais ça fait tellement longtemps qu'il tente de gagner le Grand Prix du Brésil qu'il trouve en lui une force hors du commun. Après ce virage, c'est la dernière ligne droite pour Senna. Il va gagner. Ayrton Senna, le Brésilien. Premier du début à la fin, il gagne à Interlagos. Une grande victoire pour Senna. Et puis il perd connaissance. C'est son moment le plus héroïque. J'avais fait un effort physique intense, au point de ressentir des spasmes musculaires dans les épaules et dans le cou. La douleur était inconcevable, le stress physique et mental énorme. Mais je ne pouvais envisager qu'une issue, finir la course avec mes dernières forces. Ne le touchez pas. C'est mes épaules. Viens là, papa, viens là, viens. Fais doucement. Ayrton, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ne touchez pas. Laissez-le tranquille. Ne touchez pas. Tu veux que je t'aide? Va chercher le drapeau, apporte-moi le drapeau. Je me suis vraiment battu. Il fallait que je finisse. Il fallait que je finisse premier. Il est plus grand que tout au monde. Il m'a donné cette course. C'est ce qui est arrivé. Dieu m'a donné cette course. Et je suis très heureux. J'éprouve une émotion immense.
Le Brésil, faites votre victoire, Ayrton. Toutes mes félicitations. Merci au Brésil, je remercie mes fans. Ce week-end, la chaleur humaine a été incroyable. Il nous était impossible de perdre. Ça ne pouvait pas se passer autrement. On l'a fait. La vie peut être très dure au Brésil. C'est le pays des extrêmes. Il y a cette nature magnifique. On peut acheter de tout si on en a les moyens. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes. Les problèmes sociaux, la misère. Et cela génère de la violence. J'essaye d'aider un peu. Surtout les enfants. Comme Ayrton était très célèbre au Brésil, on faisait souvent appel à lui. Des particuliers, mais aussi des hôpitaux ou des organismes caritatifs. Ayrton donnait de manière constante, sans relâche. Mais désormais, il voulait le faire de manière plus organisée. Il ne souhaitait plus faire de dons ponctuels, mais plutôt privilégier le développement de projets de nature à mieux aider son pays, surtout les enfants. En 1991, Ayrton est en pleine forme. Je pense que c'est sa plus belle année. Il gagne 7 courses, toujours en pole position. Il garde la même intensité. Il est de plus en plus fort. On sent en lui plus de sagesse. Il a grandi. C'est alors que sa voiture lui joue un sale tour. Pour la première fois, il se rend compte qu'on peut vraiment se blesser dans une voiture de Formule 1. Examen neurologique pour vérifier la poitrine et la pression artérielle, l'abdomen et les membres. Et vos conclusions, il va bien ? Il va très bien. Alors, pas de quoi s'inquiéter ? Non, pas du tout. Il n'a rien. De tous les pilotes que j'ai connus, c'est avec lui que j'ai eu la relation personnelle la plus intime. Chaque fois que j'arrivais sur la piste et que je rencontrais Senna, il était entouré d'une foule de gens, donnait des interviews, mais à la minute où il me voyait, son visage s'illuminait d'un merveilleux sourire. Il était d'une grande humilité, ce qui n'est pas courant chez les pilotes. C'est bon, fiston. Fais attention. T'as encore trop de choses à faire. Des questions ? À propos des chicanes et des barrières qu'on trouve ici, celles avec les pneus. Si par malheur on percute ces pneus, il y a de grandes chances pour qu'ils nous envoient valdinguer. Et que ça finisse en tonneau. C'est ce qui m'est arrivé au Mexique, et ça pourrait arriver ici aux autres pilotes. Je suis d'accord. Pour l'instant, ce n'est pas l'idéal. Le président a parlé hier avec M. Moll. Non, oubliez M. Moll. Et il a
L'un oublie ça, oubliez. D'accord. Le président de la FISA... Non, oubliez le président. Répondez à la question de M. Sénat. Dites-lui ce qu'on a décidé de faire pour la course. Ce qu'on fait pour aujourd'hui. On peut tout faire. Je pense qu'il ne faut pas placer ses pneus à cet endroit. Vous savez, j'ai raté mon point de freinage à la première chicane hier. Oui, mais... Laissez-moi finir. Quand j'ai tiré tout droit, la route était bloquée. Oui, ça je le sais. Et je ne pouvais pas faire demi-tour. Si on retire les pneus, il faut au moins qu'on place des cônes. Oui, c'est parfait. Comme ça, il y a une échappatoire. Et... Non, non, il faut repartir du même endroit. Il faut respecter le kilométrage de la course. On ne peut pas faire demi-tour. C'est le règlement. Où c'est écrit ? C'est le règlement. Nelson, c'est écrit dans le règlement. On a eu la lettre hier. Page 3. Ici, les deux derniers paragraphes. Bonne pénalité pour toi. Jean-Marie, c'est pareil pour les autres pilotes. Non, Ayrton, pas de problème. Quelle que soit la décision, Jean-Marie, c'est celle-ci la bonne. Tu dois le comprendre. La meilleure décision, c'est ma décision. J'ai mon idée là-dessus. Non, parce que tu ne connais pas ma décision. Et c'est toujours ma décision qui est la meilleure. Ma décision, c'est un vote démocratique. Seulement les pilotes. À main levée. Qui est d'accord pour remplacer les pneus par des cônes ? Levez la main. Unanimité contre ? Abstention ? Tout le monde est d'accord, c'est bon ? Alors au travail, on remplace immédiatement les pneus par des cônes. Alain, que s'est-il passé à cette chicane ? J'ai essayé de doubler Senna. Il a essayé de me bloquer pendant toute la course. Ce n'est pas très correct. Tout le monde connaît Prost. Quand il ne se plaint pas de la voiture, ce sont les pneus, ou l'écurie, les mécaniciens, les autres pilotes, ou le circuit. C'est toujours de la faute des autres. Jamais de la sienne. Je n'ai rien à perdre. Je ne peux plus gagner le championnat. Mais si jamais il se comporte à nouveau de façon aussi correcte, je le sors de la piste. Prost est renvoyé de l'écurie Ferrari. On lui reproche d'avoir critiqué la voiture. La seule option qu'il lui reste est d'annoncer qu'il prend une année sabbatique. Si je termine deuxième, c'est la fin du championnat. Si Mansell ne gagne pas, ce sera sûrement aussi la fin du championnat. Foncez tout droit. Le championnat du monde est terminé puisqu'il ne peut plus redémarrer. Ayrton Senna, le Brésilien, triple champion du monde de Formule 1. Une vie entière dédiée à cet instant. Un génie du sport international. Trois fois champion du monde. Encore de nombreux titres à disputer. Et il n'a que 31 ans. 33 victoires. Tous les records battus. Senna célèbre son titre comme lui seul sait le faire. Avec ce troisième titre mondial, Ayrton Senna s'assure une place parmi les grands.
C'est un très beau cadeau. Je vous remercie de tout mon cœur. Le triple champion! Je veux Senna, je veux le serrer dans mes bras et l'embrasser. J'ai une boîte pleine de photos et de coupures de journaux, tout ce qu'on peut imaginer. C'est la seule bonne chose qu'on ait au Brésil. Après ce troisième championnat du monde, j'ai vu naître un nouveau Senna. Il est sûr de lui, il est au sommet de son art. Il porte un regard objectif sur ce sport dont il connaît les qualités et les défauts. Et il continue à l'aimer, comme tous ceux qui fréquentent le paddock. C'est une fête incroyable. Ici, tout est permis. Ce qui importe, c'est d'être heureux. Vous avez parlé Formule 1 aujourd'hui ? Non, la Formule 1, c'est trop coincé. Aujourd'hui, c'est carnaval. Ici, ici, contrôleur, regarde. Non, arrête, coupez. Tes fiancés ne te demandent jamais d'accélérer ? Oui. Pour Ayrton, être triple champion du monde, c'était le point culminant du scénario qu'il avait écrit, avant même de piloter en Formule 1. Il savait qu'il en était capable, et de bien plus encore. Il était déjà l'idole du sport brésilien, et voilà qu'il devenait l'idole du sport mondial. J'ai toujours cette volonté d'aller plus loin. D'être meilleur. C'est ce qui me rend heureux. Chaque fois que je sens que mes facultés sont au ralenti, que ma courbe d'apprentissage devient plate, je ne suis pas satisfait. Et ça s'applique non seulement à mon métier de pilote, mais aussi à ma vie d'homme. Bien sûr, j'ai encore beaucoup à apprendre en tant qu'homme. Ma carrière de pilote ne durera pas toujours. Alors que ma vie, je l'espère, durera encore longtemps. Je ne suis peut-être qu'à la moitié de ma vie. Il y a encore tant de choses à faire, à apprendre, tant de choses à vivre. Je ne serai heureux que quand je me sentirai entier, complet. Ce qui n'est vraiment pas le cas pour l'instant. Mais j'ai tout le temps du monde pour essayer d'y parvenir. La saison suivante, le niveau de la compétition est complètement faussé par les avancées techniques de la Williams. La voiture s'équilibre toute seule. Chaque virage est contrôlé par l'ordinateur. Le pilote n'a qu'à appuyer sur l'accélérateur et rouler le plus vite possible. Avec une voiture qui n'est pas équipée de ce système, on part très désavantagé. La McLaren est très loin derrière la Williams-Renault. Apparemment, le triple champion du monde, Ayrton Senna, a très peu de chances de conserver son titre. Quand on rentre dans ce genre de guerre électronique, on peut se retrouver complètement coincé. L'électronique réagit à une situation donnée. Peu importe qui vous mettez dans la voiture, c'est l'électronique qui conduit, pas le pilote. Je ne pense pas que ce soit souhaitable si on veut voir un vrai championnat du monde de pilotes. Les tractations ont été longues, mais l'on ne sait toujours pas qui sera le coéquipier de Prost. Toujours est-il que le triple champion du monde a signé pour 2 ans et commencera à courir en essai dès cette semaine. La seule chose que j'ai exigée dans mon contrat, c'est qu'Ayrton ne soit pas mon coéquipier. J'ai été très clair et ils ont accepté tout de suite. D'ailleurs, ça n'avait jamais fait partie de leur projet. J'ai exigé cette chose parce que je voulais à tout prix être champion du monde. Je ne voulais pas perdre cette opportunité. Ce n'est pas un secret.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour... pour signer avec Williams. La situation est très complexe. Elle n'est ni saine ni claire. Une chose est sûre, c'est moi qui ai le plus à perdre en m'arrêtant un an ou plus. Je suis au point culminant de ma carrière. Et la carrière d'un pilote de Formule 1 est courte. Personne n'a plus à perdre que moi si j'arrête, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. En 1993, Ayrton pilote génialement. Pour moi, c'est sa meilleure saison. Il fait des prouesses. Même s'il passe le plus clair de son temps à regarder l'arrière de la Williams, qui est beaucoup plus rapide que la sienne. Le pilote français Alain Prost a gagné le championnat du monde de Formule 1 pour la quatrième fois. Prost gagne le championnat et il prend sa retraite. Il laisse le champ libre. On dit que vous allez dire adieu à McLaren. C'était votre dernière saison dans cette écurie ? Oui, je pense que ce sera ma dernière saison. Essayons de faire au mieux pour nous deux. Bien sûr. On oublie ce qui s'est passé. Bien sûr. Même si vous ne m'avez rien dit, c'était mon intention. Oui, d'accord. On n'a pas besoin d'en parler. Je ne changerai pas. Je ferai exactement comme d'habitude. Que vous a dit Ron Dennis quand vous êtes sorti de la voiture ? Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Il m'a dit qu'il était heureux pour moi et... C'est drôle, il m'a dit la même chose. Ça, c'est Ron. Je lui ai dit, tu sais, il faut se souvenir des bons moments. Finir comme ça. Finir sur de belles choses. C'était la dernière course de Senna pour McLaren. La dernière course de Prost pour Williams. Et on ne le savait pas encore à l'époque, mais c'était pour l'un et l'autre, leur dernier podium. Mesdames et messieurs, le pilote brésilien Ayrton Senna. Ayrton est sans aucun doute le meilleur pilote actuel. Le meilleur pilote encore en compétition. L'équipe est très motivée. Tout est mis en œuvre pour gagner. C'est ce qu'attendent de nous tous nos partenaires, investisseurs et sponsors. Ayrton est donc la meilleure pièce à installer sur notre machine si nous voulons atteindre nos objectifs. La Fédération internationale des sports automobiles a interdit les dispositifs électroniques, sujet à controverse, censés épauler les pilotes de Formule 1. L'interdiction sert à empêcher la domination des écuries les plus riches, comme la Williams-Renault, qui a gagné le championnat du monde. Ayrton Senna court contre la montre. Il faut qu'il s'intègre à son équipe et qu'il s'habitue à sa voiture. Il ne se sent pas à l'aise dans l'espace réduit. Cette voiture n'est pas équipée avec les dispositifs électroniques utilisés l'an dernier. Pas de système d'antipatinage, pas de freins spéciaux ou de suspension électronique. Comme je vous l'ai déjà dit, les voitures sont beaucoup moins stables sans la suspension électronique.
Par conséquent, elles sont plus difficiles à piloter. On risque de voir davantage de tête à queue et de sortie de piste. Plus il y a de tête à queue, plus les spectateurs sont contents. Ça les fait vibrer. Et nous aussi, pourvu que le pilote ne soit pas blessé, sinon c'est beaucoup moins agréable. Senna en deuxième position. Presque 8 secondes les séparent. Pour le moment, on n'est pas très content des performances de la voiture. Elle ne se comporte pas de manière satisfaisante. Les voitures ne devaient être équipées d'aucune des aides électroniques de l'année précédente. Senna est convaincu que la voiture Benetton, pilotée par Michael Schumacher, vainqueur des deux premières courses de la saison, a conservé certains de ses dispositifs. En particulier le système d'antipatinage qui préserve la motricité. Il ne pouvait pas supporter d'être distancé par la Benetton. Il voulait qu'on proteste. Ce qu'on n'a pas fait. Ici, on part de zéro. C'est donc ici que notre championnat débute. Ce n'est pas une position confortable, mais c'est la réalité. Vous avez déjà gagné trois fois. Vous êtes obligé de gagner une quatrième. J'aimerais bien, oui. Je n'ai jamais vu Senna aussi tendu que ce week-end-là. À aucun moment je ne l'ai vu sourire. Il est resté concentré, préoccupé et même triste. C'est l'équilibre. Il faut modifier les réglages. On relève un peu, ça suffira? Non, la voiture est pire qu'avant. L'équilibre n'est pas fiable. C'est un réglage en particulier ou un changement général? Il sous-vire un peu plus qu'avant. Un peu plus de sous-virage au premier tour. Et puis au deuxième tour, l'équilibre change d'un coup. Survirage et sous-virage? Oui. Oui, au milieu d'un virage. Et à l'entrée, la voiture chasse. Et quand elle est censée chasser, elle chasse beaucoup trop. Vous connaissez Ayrton ou je vous le présente? Non, je le connais. Vous l'avez déjà rencontré? Je le connais parce que je suis de très près la Formule 1. Je l'ai déjà rencontré. Pourquoi êtes-vous si ému? Quand on se trouve à côté d'un homme comme lui, on est forcément un peu ému. Alors bonne chance aux champions et aux futurs champions. Merci. Oh!
Vous avez vu Rubens? Il va bien. Il est un peu sous le choc, mais il va bien. Vous lui avez parlé? Oui. Fais attention à toi, Rubens. Ayrton ne se sent pas à l'aise avec sa nouvelle écurie. Il n'est pas du tout satisfait de la voiture. Mais il se bat et prend la pole position. J'arrive à me contrôler. Je fais des trucs dingues avec cette voiture. Tu la bouscules un peu, pas vrai? Mesdames et messieurs, l'organisateur du Grand Prix de Saint-Marin vient de recevoir un rapport de l'hôpital Maggiore de Bologne. Le pilote de la voiture numéro 32 MTV Simtech Ford, Roland Ratzenberger, a succombé à ses blessures suite à l'accident survenu sur le circuit d'Imola lors des qualifications du samedi 30 avril. C'était la première fois que nous avions à affronter le décès d'un pilote de notre génération. L'atmosphère était très lourde cet après-midi-là. On se demandait ce qu'on faisait là. À quoi ça servait tout ça? Ayrton est bouleversé, il se met à pleurer. Alors je lui dis, Ayrton, tu as gagné le championnat 3 fois, tu es l'homme le plus rapide du monde. Et comme je sais qu'il aime beaucoup la pêche, je lui dis, si tu arrêtais et que j'arrêtais aussi, on pourrait aller à la pêche. Alors il me dit, Sid, je ne peux pas arrêter. Ce samedi-là, au dîner, Frank Williams se demandait si Senna serait sur la grille de départ. Moi, je suis certain qu'il ne voulait pas faire cette course. Ce matin-là, quand il s'est réveillé, il a demandé à Dieu de lui parler.
Il a ouvert la Bible et a lu un passage qui disait que Dieu lui ferait le plus grand des cadeaux. Ce cadeau, c'était Dieu lui-même. Tout le monde le contourne, d'un côté ou de l'autre. Regardez-moi ça. C'est l'étau. C'est un accident terrible. L'ami et l'étau ont vraiment eu de la chance. La safety car prend la piste. Ce qui veut dire qu'elle va rentrer au stand. Et voilà, Senna est devant. Schumacher deuxième. Michael Schumacher fait pression sur Senna au sixième tour. Senna prend le mur. Au virage Tamburello. C'est un accident très grave. On l'a sorti du cockpit, on lui a enlevé son casque et on l'a intubé. Et j'ai compris aussi neurologique que la blessure qu'il avait à la tête allait être fatale. Et puis tout à coup, j'ai entendu un soupir et son corps s'est relâché. C'est à ce moment, et je ne suis pas croyant, que j'ai senti que son âme l'avait quitté.
Même à cette vitesse, on ne peut pas commettre d'erreur au virage Tamburello. C'était donc la voiture qui était en cause. Peut-être que c'était un problème de direction assistée. Peut-être que la température des pneus avait fait patiner la voiture et l'avait tirée hors de la piste. Ce sera toujours un mystère. Quelle était la cause? Je pense que c'est la colonne de direction qui s'est cassée, rendant la voiture incontrôlable. Mais surtout, c'est la fatalité. Parce que la voiture a pris le mur avec un angle tel que le triangle de suspension est venu percuter son casque. La chance a lâché Ayrton. Il n'avait pas le moindre os cassé, pas la moindre contusion. Si ce morceau de ferraille était passé 15 cm plus haut ou plus bas, il se serait relevé et aurait marché jusqu'au paddock. C'était mon idole. Il représentait ce qu'il y avait de mieux au Brésil. Je t'embrasse, Senna. Je ne t'oublierai jamais. Le peuple brésilien a besoin de nourriture, d'éducation, de santé, et aussi d'un peu de joie. Mais maintenant, cette joie a disparu. Une dernière question. De toute votre carrière, quel est le pilote que vous avez eu le plus de plaisir à affronter? Il faut que je remonte dans le passé. Aux années 78 et 79. 80, quand je faisais du karting. Je suis venu en Europe pour disputer mon premier championnat du monde. C'était ma première compétition hors du Brésil. Mon coéquipier s'appelait Fullerton.
Il était très expérimenté. J'aimais beaucoup courir avec lui parce qu'il était rapide, constant. C'était un pilote très complet. Du vrai pilotage, de la course à l'état pur. Il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique. Rien que la course. C'est un souvenir que je chéris vraiment. E toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Manamaeo, aê, aê, Manamaeo, aê, aê, Manamaeo. Aê, aê, Manamaê, oh, oh. Aê, aê, atrás do arranha-céu tem um céu, tem um céu. E depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva. Que tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las. Manamaeo, aê, aê, Manamaeo, aê, aê, Manamaeo, aê, aê, Manamaeo, aê, aê. No meio da couve-flor tem a flor, tem a flor. Que além de ser uma flor tem sabor. Dentro do porta-luvas tem a luva que alguém de unhas negras e tão afiadas esqueceu de pôr. No fundo do para-raio tem um raio que caiu da nuvem negra do temporal. Todo quadro negro é todo negro, é todo negro. E eu escrevo seu nome nele só pra demonstrar o meu apego.